Bonjour à tous, c'est Vanessa, bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo sur YouTube pour moi, je vous ai mis une petite vidéo de présentation de ma rose. Ça fait bizarre de parler toute seule. Alors je suis toujours sur ma rose pour ma belle maman. Quoi dire Je suis à cours de Diamond Painting. J'ai commencé au mois d'octobre grâce à la chaîne de Angélique. J'ai tombé sur une vidéo comme ça par hasard et j'ai voulu essayer et je suis accro. Voilà. J'aime beaucoup les diamants carrés. Je ne fais que des diamants carrés. Je trouve le résultat nickel. J'adore quand les carrés s'emboîtent les uns dans les autres. Ça me détend beaucoup de faire du diamond painting, comme j'ai un travail qui est très fatigant, usant un petit peu. Avant, j'utilisais une tablette. Je l'ai toujours, c'est ma fille qui s'en sert. J'ai depuis Noël une lampe LED avec loupe et j'utilise que cela. J'aime beaucoup. Je vois bien les symboles. J'espère que vous voyez bien, que je suis bien dans le cadre. J'essaye de filmer comme je peux. J'ai pas de trépied. Je dis beaucoup pardon. J'essaierai de vous faire des unboxing si j'y arrive à filmer correctement car j'ai plein de toiles en attente. J'en ai reçu quelques-unes cette semaine, j'étais ravie. Mais il y en a qui sont bloquées depuis le mois de mars. Il y en a même deux, j'ai pas de nouvelles. J'essaye d'envoyer des messages aux vendeurs mais personne ne me répond. Alors, je sais pas si je dois faire un litige ou pas. Je sais pas. Donc, je vais attendre un petit peu. Je n'ai plus de 1. Je regarde. Non, on va changer de couleur. J'espère que tout le monde va bien. Que vous vous portez tous bien. Je remercie Angélique, Estelle, Caroline et toutes les autres filles de YouTube qui ont des chaînes de diamond painting de m'avoir dit que je devais me lancer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Excusez-moi pour le bruit, j'ouvre ma boîte. J'utilise un pilulier pour ce modèle-ci car je viens de recevoir ma mallette, mais je vais l'utiliser pour... un autre diamond painting que je commencerai après, que j'ai fait un perso de ma fille. Je suis très contente du résultat. Je l'ai commandé chez Home Fun. Je vous ferai voir au moment venu et il est très beau. Je suis très contente. J'hésitais parce que j'avais peur de, avec une photo, que ça soit pas, qu'on ne voie pas bien la tête. Les symboles, on va faire triangle 37-43. Voilà. Avant de faire du diamond painting, je peux le dire, une grande crocheteuse et tricoteuse. Ça fait 20 ans que je tricote et je crochette. Je faisais de la broderie avant aussi, au point de croix. J'essaye de mettre un petit peu à la couture, mais c'est pas très concluant, on va dire. Et depuis que je fais diamond painting, j'ai un petit peu lâché le tricot et le crochet. Un peu beaucoup, car j'ai refait juste quelques bricoles à Noël et c'est tout.
vous entendez du bruit derrière, c'est ma chienne. Elle n'est pas contente parce que son maître vient de partir. Sinon, quoi vous dire? J'ai initié ma fille aussi, j'ai deux filles et deux garçons. J'ai ma fille qui va avoir 17 ans. Quand elle vient à la maison, parce que je ne l'ai pas tout le temps à la maison, elle est accro au diamond painting aussi. Ma petite dernière, on fait quelques fois, mais elle n'a pas de patience. Elle en fait 10 minutes et après elle arrête. Moi j'utilise un stylet. Je l'ai commandé chez Marine. J'ai essayé un petit peu la pince, mais je suis pas très à l'aise avec la pince. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que faudrait que je change. Je pense que je vous l'ai pas dit, on est dimanche 31. Il est de bonne heure, il est même pas 7 heures. Oui, je suis une lève tôt, très tôt. Après, je pense que je filmerai le matin comme ça. Parce que après dans la journée, c'est compliqué avec les enfants, le mari. Je n'ai pas de pièce attitrée, je fais du diamond painting dans la salle à manger. Je me suis installé un petit coin. J'entendais le clic, j'adore quand ça fait ce bruit-là. Ça veut dire que les diamants sont nickels, qui s'emboîtent bien les uns dans les autres. Du début, j'avais acheté un... Je connaissais pas trop, donc j'avais acheté un diamond painting sur Amazon, et c'était des ronds. Il est joli aussi, mais dès que j'ai vu qu'on pouvait acheter des carrés, j'ai tenté les carrés et je suis devenue amoureuse des carrés. Mes toiles, c'est que des toiles carrées. Et je suis devenue aussi amoureuse de AliExpress. J'y vais tout le temps. C'est mon banquier qui est pas très content. Voilà. C'est vrai qu'on est tenté. Il suffit qu'on dise aussi sur le groupe Évasive Création. Il y a des promotions sur un tel vendeur, un tel vendeur. Je peux pas m'empêcher d'aller voir. Déjà, j'irai tous les jours voir où sont mes expositions en cours. Si ce n'est pas plusieurs fois par jour. Car j'étais très impatiente, ça a mis... Ils ont mis un petit moment à arriver et là, ça commence à se débloquer. Et là, cette semaine, c'est vrai que j'ai reçu 3-4 colis. J'étais très contente. Par contre, j'ai reçu des DP que j'ai commandé. Début mai, je les ai reçus maintenant, alors qu'il y en a, ça fait depuis le mois de mars et j'ai toujours rien. J'espère qu'ils vont arriver bientôt. Bon, bah, je vais vous laisser là pour une première vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la nouvelle avancée de ma rose. Bonne journée à tous.
Au revoir.